frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement. Que ta bénédiction sanctifie ses cierges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour recevoir et les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple. C'est aussi la Journée mondiale de la vie consacrée. Depuis maintenant 25 ans, nous soulignons l'engagement de femmes et d'hommes qui, par leur vocation, portent la lumière de l'Évangile. Ici, comme ailleurs, par leur présence et leur vie, ils font la différence pour des personnes, des familles, des villages, des écoles et des hôpitaux. Notre archidiocèse, tout au long de son histoire, a été et est encore gratifié par la présence de religieuses et de religieux. Habituellement, en février, il y a un rassemblement, une célébration. Au mois de mai, c'est la fête des jubilaires, où nous célébrons l'engagement de ces hommes et de ces femmes à la suite du Christ. Mais tout cela aussi a été bouleversé par la pandémie. Nous retrouverons l'occasion de nous réunir, mais rien nous empêchera de prier les uns pour les autres et de rendre grâce à Dieu pour le témoignage de votre vie. Ces derniers temps, plusieurs religieux et religieuses ont vécu des déménagements, parfois même un déracinement. À travers tout cela, puissiez-vous retrouver l'essentiel pour rayonner ensemble et porter une lumière d'espérance, de paix et de confiance en Dieu. À vous, frères et sœurs, engagés dans la vie consacrée, que le Seigneur nous vous soutienne dans le moment présent. Et à cause de l'Évangile, prenons la route vers nos frères et sœurs qui ont besoin d'espérance. Merci et que Dieu vous bénisse.